La tension monte entre les États-Unis et la République populaire de Chine, tandis que l'administration répond aux allégations selon lesquelles elle aurait autorisé la vente de technologies secrètes américaines à un groupe dissident dit Longyang. Sans transition, nous rejoignons la salle des conférences de la Maison-Blanche, où le secrétaire d'État Vince Haddon doit faire une déclaration au sujet de l'incident du missile du Kazakhstan. Comme vous le savez tous, un missile nucléaire a explosé au-dessus du Kazakhstan il y a une heure. Le gouvernement du Kazakhstan nous a assuré qu'il s'agissait d'un lancement accidentel et que le missile a pu être détruit grâce au système de contre-mesure. Une enquête est en cours. Soyez plus précis, monsieur. Je ne suis pas en mesure d'en dire plus pour l'instant. Tout le périmètre a été fermé suite à des rapports mentionnant une possible contamination. Les radios locales déclarent que des précautions sont prises afin d'éviter une éventuelle panique. Vous faites la une. L'agence n'aime pas qu'on fasse de la pub pour ses opérations. Enfin, en général. Si on s'en sort, on va leur faire une sacrée pub, tu peux me croire. Tout est prêt ? Les contrebandiers utilisent des petits avions, pas des C-130. Ce sentier couvert de gravier que tu appelles une piste n'a jamais servi à faire atterrir un truc aussi gros. Tu veux vraiment poser cet engin ici ? On n'a pas le choix. Rendez-vous dans 16 heures. Gabe, le transport est arrivé. Chance, je te veux sur la piste. Le transport doit décoller dans une demi-heure. Bien sûr, comme si c'était fait. Yann, ça va ? T'as pas l'air très bien. Ça ira. Occupe-toi de la piste. Tu es la seule personne sur qui on peut encore compter, Teresa. Je serai prête. Terminé. J'ai trouvé l'ordinateur contenant les données de sauvegarde de Farcom. Et aussi les fichiers perso de Fagan. Gabe, le transport n'est pas seul. Deux Black Hawks en mode silencieux, c'est Morgan et Falcon. Ok, compris. Terminé. Elle est dans le hangar. Falcon, prenez la deuxième équipe et trouvez-la. Équipe 1, trouvez Logan et les disques. Il faut faire le ménage avant l'arrivée des forces des Nations Unies. Grenade paralysante uniquement. Il nous la faut vivante. Dobson, faites partir vos hommes. Mettez-vous à l'abri. Repliez-vous dans le hangar et attendez. J'arrive. On y va. Il faut les retenir jusqu'à l'arrivée de Gregorov. Ramirez, porte ces disques jusqu'au silo. Je te rappellerai quand la piste sera dégagée. J'y vais. Leon. Leon, tu m'entends? Ok. On la tient. Logan est toujours vivant. Les Russes sont arrivés. Faut y aller. On s'occupera de Logan plus tard. Déplacez ces véhicules. Dégagez-moi cette piste tout de suite. Ok, tout est paré pour le départ. Logan, votre appel au secours reçu trop tard, hein? Ils l'ont emmené. Je suis désolé. Ils vont la tuer. Non. Tant que j'aurai les disques, l'agence ne lui fera rien. Nous sommes vieux amis avec elle. Je ne vous ai jamais vu. Vous devez partir en vitesse. Les Kazakhs arrivent. Je comprends. Envoyez les équipes A et B dans les entrepôts. Allez! Ok. Chance, on y va. Et bonsoir à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour Siphon Filter 2 les amis, la suite du premier que j'ai terminé récemment là, il y a quelques jours, et qui est censé se passer donc quelques heures après les entrepôts Farcom hein, les amis, pour information. Ah les amis, ça me fait plaisir, c'est mon préféré des trois premiers.
J'aime autant vous dire que je suis tout excité là. On va laisser le générique se terminer et je vais lancer ça. Hop. Teresa, la piste est prête. Arrivée dans 2 heures. Ouais, c'est bon. Ça risque de secouer un peu. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Ça va, Chance? Foutue grenade paralysante. J'ai les oreilles qui sifflent. Eh, hey, c'est normal qu'on ait une escorte? Quoi? Mais qu'est-ce que... Grouillez-vous! Ils en ont après nous! Les disques de données! Pas le temps! Kowalski, prends le C4 et le localisateur de transpondeur. On va en avoir besoin. Ben ok. Vite, vite, sautez, grouillez-vous. Go, go, go. Teresa, finalement, on n'aura pas besoin de ta piste. On va se poser à la dure. Ah là là, les amis. Qu'est-ce qu'il est excellent. Gros budget, là. Gros budget. Hein. Par rapport au premier, ils ont mis le paquet. Donc là, ça commence tout de suite, les amis, puisque juste après la cinématique, là... J'en ai jamais douté, avec ce qu'a coûté ta formation. C'est pas encore gagné. Je dois trouver Chance pour récupérer le localisateur. Essaye de pirater une fréquence de communication de l'agence. Je veux savoir ce qu'il mijote. Je m'en occupe. Rappelle si t'as des infos sur l'IA. Ok. Et Gabe, bonne chance. Merci. Donc comme je disais, ça commence tout de suite. Ce qui est une des armes les plus cheatées du jeu qui vous est proposée dès le début, juste ici. Hop. Voilà les amis. Alors je vais juste retirer les vibrations parce qu'elles ont encore été activées, voilà. L'apparition d'un nouveau personnage, hein, comme vous avez pu le constater, Teresa Lipan. On aura l'occasion d'y revenir. Kowalski, c'est grave ? Jambes cassées, double fracture au moins. Je pourrais pas tenir debout. Ok, vous restez ici. Trouvez un abri si possible. Vous savez où est Chance? Je sais qu'il a réussi à sauter à temps. Il a dû atterrir au sud d'ici. Compris. Lieutenant Chance. Un membre du CBDC, hein, les amis. Mais celui-là, si j'adore ce premier, enfin ce deuxième Siphon Filter, les amis, c'est aussi pour les punchlines de Gabe Logan. Vous allez en entendre des phrases totalement mythiques qui, même encore aujourd'hui, me restent dans la tête. Hein. Vous avez pu contacter quelqu'un ? Personne pour l'instant. Trop d'interférences. Pas moyen d'obtenir un signal dans ces montagnes. Laissez tomber. L'agence ne laissera passer personne de toute façon. Bien. Je cherche Chance. Attendez. Lieutenant Chance, vous m'entendez? Répondez, vous m'entendez? Ici Davis. J'ai vu le lieutenant il y a quelques minutes. Il est à la recherche de survivants. Sa radio est morte. Soldat, amenez-moi à lui. Reçu? 5 sur 5. J'arrive tout de suite. Parfait. Allons-y. D'accord. Également un excellent casting au niveau des doublages, les amis. Vous avez pu constater que Liang Xing a changé de voix. C'est pas le cas de Gabriel Logan. Le lieutenant Chance est par là. Suivez-moi. Mais il y a d'excellentes voix sur ce... Le lieutenant Chance, par exemple, qui a la doublure française de Keanu Reeves. La voix française de Keanu Reeves. Il y a du budget, les amis. Il est dans cette caverne. Bien. Restez là et ouvrez l'œil. Ça risque de chauffer. Comme d'hab. Comme d'hab. On va d'abord récupérer un peu de matériel. Il y a des achievements, les amis, à partir de ce Siphon Filter 2 et dans le 3 également, qui permettent de débloquer des nouveaux personnages en mode de joueur et des arènes également.
Et je vous expliquerai un peu ce qu'il faut faire pour les débloquer. Tous les niveaux n'en ont pas d'achievement, mais la plupart en ont, donc je vous expliquerai les conditions pour les débloquer. Dans ce premier, par exemple, niveau, il y en a un achievement, je vous montrerai tout à l'heure. L'apparition du mode 2 joueurs également, du coup, dans Siphon Filter 2. Et c'est assez sympa, hein. Si vous voulez vous amuser avec un pote, ça peut être assez sympathique.